guerre à l'autre. D'une guerre à l'autre en deux tomes. Le premier étant sur la guerre de 70, enfin plus exactement à partir de 1850 jusqu'en 1913. À travers, bien sûr, la guerre de 70 sur notre région et les deux bataillons qui sont partis, de garde mobile qui sont partis du Puy et de Brioude pour aller se battre contre les Prussiens à Orléans. Et puis en même temps, l'arrivée de la voie ferrée, la construction de la voie ferrée du Paris-Nîmes, la construction de la voie des Cévennes, comme on la nomme, de Langeac à Langogne, les premières migrations paysannes suite à la maladie de la pomme de terre, puis la deuxième migration suite au phylloxéra, qui ont fait que mes ancêtres se sont installés à Paris, et beaucoup des frères de mon arrière-grand-père se sont aussi installés à Paris. Deuxième période, période 1914-1925, malheureusement la guerre de 14. Après les tirages au sort des services militaires, on arrive au service militaire du début de l'année, du début du 20e siècle. Et à partir de là, on voit qu'une armée se décide, et se dessine surtout pour la fameuse revanche. La guerre de 14 a été déclarée, 4 ans de guerre, 4 ans de deuil pour nos villages. Et peut-être que peu de savent, mais avant la guerre de 14, nos villages étaient très colorés, les femmes étaient toutes habillées de couleurs vives et sympathiques. Et à partir de la première année de guerre, eh bien, les villages se sont noircis. Et les femmes vivaient dans le noir. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient perdu un frère, un fils, un mari.